Good morning, allez, Iden, les tues aujourd'hui, les Louis Nishmat et Chayester Bat Myriam, ainsi que leur fouette Olivier, Israël, Shimon Ben Chayester, Khamshat Myriam Bat Rosena et Benjamin Ben Chibiba Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Misha, contactez le 5 qui du Tadarnel. Nous étudions dans le Sechet d'Héroïne, Brigadalet Mishnabet. Pas ma chatlou nichnesou la namal, ad shecha shecha. Amroulou le rabban Gamliel, ma nous les red. Amar lahem, mutarim atem. Shekva raiti mistakel. On continue à une autre histoire en rapport avec l'histoire évoquée dans la mission précédente, en fait. Pour rappel, on avait appris que chacun il est limité par un Troum Shabbat. C'est-à-dire, lorsque Shabbat entre, chacun il est défini par sa place et, à part ça, son périmètre dans lequel il peut malgré tout bouger. Il y a le Mekomo et le Troum. Dans la prochaine Mishnah, vous commencerez à comprendre pourquoi j'insiste sur les deux notions. Plutôt, plus loin, dans la Mishnah Hei, je crois. Et Dalet Hei. Pour le moment, en tout cas, donc, Shabbat arrive. Où je suis? Où sont mes quatre Amot? J'habite à Jérusalem. Tout Jérusalem est considéré comme mes quatre Amot. À part ça, autour de Jérusalem, j'ai droit à 2000 amas supplémentaires. Lorsque je me retrouve en plein désert, alors, ou même en pleine mer, c'est comme ce qu'on est en train de voir en ce moment, si j'ai une place fixe, ma place, c'est mes 4 amot, et j'ai au maximum, j'ai 2000 amas autour de ses propres 4 amot. D'accord? C'est ma place avec le domaine, le troum que j'ai. Maintenant, on avait évoqué dans la Mishnah précédente que, malgré tout, tant qu'on est dans un bateau qui est en déplacement, alors tous les avis étaient d'accord que... Non, il y avait une marque sur ça. Il y a des petites nuances dans la Gemara qui compliquent un peu plus l'histoire, mais en tout cas, de manière générale, si on est dans un bateau, on avait vu que, selon... Rabbi Lazar ben Azaria plutôt. Alors, on a le droit de malgré tout de continuer à marcher 4 amot supplémentaires, on aurait de marcher dans tout le bateau. Et il y avait l'avis de Rabbi Oshua et Rabbi Akiva qui disaient non, tu dois rester à ta place. Ok? Sur ça, on avait vu une histoire qu'ils étaient dans un bateau une fois pendant Shabbat, et du coup, Rabbi Akiva et Rabbi Oshua sont restés assis à leur place sans bouger. Tandis que Rabban Gamliel, lui, l'a permis de marcher dans tout le bateau. Sur ça, on continue avec une autre histoire. Pas Mahat. Une fois. Lo nichnesu lanamal ad shecha shecha. Ils ne sont arrivés au port, ils ne sont entrés dans le port qu'après la tombée de la nuit. Donc ils étaient dans un bateau vendredi après-midi. Et donc ils étaient dans un bateau. Le Shabbat était en train d'arriver, donc ils ont resté. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Ils sont restés dans le bateau. Et puis finalement, quand la nuit elle est tombée, le bateau, lui, il a continué à voguer, il est entré dans le port. Alors, Amroulo les Rabban Gamliel, ils l'ont demandé à Rabban Gamliel, Man ou les Red, qu'est-ce que tu dis, on a le droit de descendre maintenant, on est obligé de rester dans le bateau? C'est-à-dire, question très simple, puisqu'on n'a pas eu, le bateau noir précise, ou je ne sais plus qui le précise plutôt, qu'on parle d'un port qui n'avait pas des, bien évidemment, il n'avait pas des mechitzot. Donc maintenant, j'avais une place, même toi, d'après tous les avis, même d'après Rabban Gamliel, on était à un endroit, puis on s'est retrouvé dans un autre endroit qui n'est pas délimité par des barrières ni rien. Maintenant, en théorie, je devrais avoir que mes 4 amotes, je devrais rester sur place. Donc ils ont dit, Manu les Red, est-ce que concrètement on a le droit de descendre, mais on est obligé de rester dans le bateau, parce que maintenant, c'est ça notre place à Shabbat. On avait une place en pleine mer, le bateau il a continué à voguer à l'entrée de Shabbat, à l'entrée de Shabbat, il se fixe quelque part, donc maintenant c'est devenu notre place, on devrait s'arrêter là, et ne plus bouger de nos 4 amotes pendant tout Shabbat. Donc, Manu l'Eret, qu'en est-il pour qu'on descende de ce bateau? Amar lahen, il leur a répondu Rabban Gamliel, Moutarim Atem. Vous avez le droit de descendre, vous savez pourquoi? Shekvar haiti mistakel, parce que j'étais en train de regarder, de guetter. Vainu betochatroum ad shelo chashecha. Et nous étions déjà rentrés dans le domaine de la ville jusqu'à ce que la nuit se tombait. Soit, il leur répond comme ça, Rabban Gamliel. La Gemara explique qu'il avait une sorte de lunette particulière qui permettait de voir jusqu'à 2000 amas uniquement. Je ne sais pas exactement comment, concrètement, quel type de lunette, mais on me dit. Bon, peu importe. Il y a un type de lunette que quand je regarde dedans, je peux voir jusqu'à 2000 amas uniquement. Au-delà de 2000 amas, je ne peux plus voir. Comme ça, la Gemara explique. Je ne sais pas exactement, concrètement, physiquement, comment. D'accord? Et Rabban Gamliel, en fait, il leur a raconté qu'il était en train de guetter, quand il voyait que la nuit allait tomber et que ça allait être Shabbat, il était en train de guetter dans sa lunette, il avait déjà vu la terre. Il avait déjà vu la terre, donc on était déjà rentré dans le trou de Shabbat avant que
Shabbat Nantes, on était déjà dans le Troum, puisqu'on est déjà dans le Troum. Alors maintenant, on a eu notre Shevita, on a notre lieu de Shabbat maintenant, c'est devenu tout le Troum et même la ville, puisqu'à partir du moment où on réussit grâce, c'est une règle. On la découvrira encore plus dans les détails. Mais quand j'ai 2000 amas, dès que j'ai 2000 amas et que j'entre dans la ville, alors j'ai même le droit d'aller dans la ville aussi. D'accord? Je suis bien dans le Troum de la ville. Pas exactement dans plus de détails, mais en tout cas, c'est ce qu'elle a répondu. Veinu betocha Troum atchelo chashecha. Nous étions déjà entrés dans le Troum, dans le domaine de la ville, jusqu'à que la nuit soit tombée. Donc maintenant, du coup, notre place pour Shabbat, c'est devenu la ville. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol Tuv.